Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le tag Crazy About Lipstick. Voilà. Donc en fait, c'est un tag où on parle de nos rouges à lèvres. Donc c'est parti. Première question. Combien de rouges à lèvres as-tu? J'en ai 20, j'en ai pas encore beaucoup car je viens de commencer mes vidéos, mais ça viendra au fur et à mesure. Voilà. Deuxième question. À quel âge as-tu commencé à porter du rouge à lèvres? Donc 17 ans et demi, j'en ai bientôt 19. Troisième question. Quel est le rouge à lèvres dont tu ne peux pas te passer? C'est celui-ci de chez Primark. Je fais un petit peu de parce qu'après il faut tout enlever sur mes mains et c'est très chiant. Voilà. Voilà. Très très joli. Ensuite, quatrième question. Montre un rouge à lèvres que tu utilises pour te démarquer. C'est celui-ci qui vient de chez Tertio, c'est le 08. Voilà. Voilà. Ici. Voilà. Quels sont les rouges à lèvres? Quatrième, non, cinquième question. Quels sont les rouges à lèvres que tu as achetés? En fait, je les ai tous achetés, sauf celui-ci. Quel rouge à lèvres regrettes-tu d'avoir acheté? Donc, c'est, on va dire celui-ci parce qu'il est assez clair et pour mon teint, ça va pas trop. Voilà. Septième question, quel est ton rouge à lèvres favori du moment? Donc, c'est celui-ci, ça fait un petit moment que j'utilise déjà. Voilà, celui-ci là. Ensuite, pour continuer, quel est le rouge à lèvres plus ou moins cher que tu possèdes? Donc, le plus cher, je vais dire que c'est celui-ci de chez NYX. Et le moins cher, je dirais que c'est ceux de chez Primark, 90 centimes. Voilà. Ensuite, neuvième question. Est-ce que tu adores M.O.A. Dr. Jolin? Oui, sans hésitation. Et la dernière question. Quel rouge à lèvres te fait penser à quelqu'un de spécial? Celui-ci, il me fait penser à ma mère, comme celle qui c'est elle qui me l'a passé. Il est vraiment très très joli. Et celui-là, rien que pour le coup, je vous le souhaite sur ma mère. Voilà, très crémeux, très joli, très pigmenté. Rien à dire, c'est le Isis Paris, la teinte de 26. Je sais pas s'il y est toujours, ça fait un moment que je l'ai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous fais de gros, gros, gros bisous.